Joli. Alors, salut à tous, on va juste faire un rapide débriefing de la matinée de dingue que je viens de passer chez Mani, chez Maniland, sur le parking, en tout cas le pré, près de la jardinerie. Alors, débriefing, le plus méritant, c'est lui, Arma Granit, méga à la base, monté avec un moteur de Traxxas Max 2400 kW en 4S. Ce petit truc là est une véritable bombinette. Vous allez voir, il fait largement plus de 80. C'est bien trop d'ailleurs. Je vais réduire le pignon de là, j'ai un pignon de 15. J'ai bien sûr changé toute la boîte par la boîte du Slipper VLX. Voilà. Avec le pare-feu en alu, le Slipper double disque de la version brushless. Et ce truc là a fait des triples, a tenté le quadruple backflip, a fait des doubles backflips, a tout fait. Il a tout pris sur le côté, sur le dos, ça monte. Là, je vais acheter la Willy Bar parce que c'est pas possible. Voilà, ça monte facile. Ce truc là n'a pas bronché, je n'ai rien cassé si ce n'est la LED avant pour le verser qui n'a pas tenu. Vous verrez, il dirait c'est dommage, enfin c'est dommage, mais c'est vraiment pas le plus. Mais alors ce truc là, c'est une véritable bombinette de solidité. Même la carreau, elle a tenu le coup, il y a quelques pliures. Pourtant elle a pris, oh là là. À la fin on a pris les deux rampes, là vous allez voir, les deux rampes l'une sur l'autre, on a fait les triples, quadruples, ça a tombé de partout. Ouais, alors lui, c'est le winner de la journée, il y a rien à dire, encore une fois, en 4S, 2400 kW, pignon de 15, là je vais mettre du 13 parce que c'est vraiment 15, c'est vraiment trop, et encore, je pense que je vais un peu réduire la vitesse pour que ce soit contrôlable, mais franchement, autonomie de dingue, voilà, en 4S, 2400 kW, plus de demi-heure, facile en 5000, voilà, le plus méritant pour moi, c'est le Arma Granit. Alors, le deuxième plus méritant, c'est lui. Ah, mais il est cassé! Oui, 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 il est cassé. Mais, pour en arriver là, donc j'ai pété un triangle, je vais me dire, ouais, il y a pété un triangle, c'est la maladie de Obao, faut mettre la Obao, faut appeler le président de la République, faut appeler Martel, faut appeler tout le monde. Non, mais non, il y a un moment donné, il faut prendre un peu de recul sur ce que tu as fait avec ta RC. Et ce truc là, sur 4 pattes de suite, qui n'est pas pété avant, c'est un miracle. Pareil, backflip, des roulés-boulés de partout, des collisions, des chocs frontaux, des... Enfin, il en a vu, mais des vertes, des pas mûres, mes amis. Incroyable. Et à la fin, un triangle a pété. Et encore, je pense que j'ai roulé avec le triangle pété parce que je ne me suis pas forcément rendu compte. La Caro Alsace Body RC, elle a fait le taf, il n'y a rien à dire. Impeccable. Les skids ont fait vraiment le taf. Vous voyez que ça a tapé dur, hein. Ça a tapé dru, quand même, sur les rampes. Donc, ce truc-là, incroyable. Franchement, pas sa motrice. Ça squatte bien, faut que je vois un petit peu encore avec les suspects parce que je trouve qu'il est encore relativement assis, donc faut que je vois pour éventuellement mettre les amortos un peu plus droit pour essayer de durcir encore un peu l'arrière. T'arrêtes, enfin, il y a un peu de réglage à faire, mais honnêtement, alors est-ce que ça aurait cassé avant parce que si j'avais pas bouillu les cerveaux, peut-être les cerveaux, c'est mon cerveau qui est bouillu. Les triangles, je sais pas, peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le faire sur ceux que j'ai commandés pour le changement. Donc, on saura jamais, mais ce qui est clair, c'est que je l'incrimine pas du tout, c'était ma faute, vu tout ce qu'il a pris, il y a un moment, ça pète. Oui, bah, vous verrez que, franchement, il a pas démérité le VPR, de loin pas. Vraiment, de loin pas. Super machine, j'ai mis vite fait des ST Rocket, MFT Rocket, donc piste dessus. Honnêtement, la voiture elle gite, elle bouge, elle motrice, ça va sur piste 80-90 facile, en vitesse, autonomie plus d'une demi-heure par l'hypo de 5000. Honnêtement, après, je pense que le moteur est à 60, le setup là il est bien,
tout va bien, tout est, fonctionne. Je suis hyper content du montage de cette machine et du rendu que ça donne. Et il y a une sacrée gueule. On ne peut pas dire le contraire. Il y a une sacrée gueule. Il y a une sacrée gueule. Quand tu regardes pas le côté cassé. Regarde. Non, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, celui-là, je pense qu'il va rester longtemps dans la famille parce qu'on ne trouve pas l'équivalent dans le marché en invité. Voilà. Il y avait le Nero, mais non, il y a lui. Il y a peut-être le Team Magic aussi, c'est encore il est un peu plus court. Voilà. Mais là, une folie. Et le dernier, alors non pas qu'il n'a pas démérité, mais lui, on s'y attend. Donc lui, c'est pareil. Avec les furieux, il a pris, on a fait des backflips, on a fait des frontaux, on s'est marché dessus. Il a, qu'est-ce qu'il a eu? On a perdu la LED d'avant. Il nous a percé, ça y est, elle a dit ciao. Au bout de 2 ans, on ne peut pas non plus trop lui en vouloir. Les mousses de Chimico, ben elles sont encore là, elles sont intactes. Et effectivement, elles sont un chouïa plus molles que celles d'origine. Donc à voir dans le temps, mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça fait le job, ça remplit, il n'y a aucun problème. J'ai perdu les deux vis de la roulette, donc à un moment, j'ai plus de roulette, donc j'ai retrouvé la roulette en cherchant bien. Mais moi, j'ai retrouvé, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leur cardan. Il y a plein de gens qui perdaient les cardans là-dedans. Donc, la carreau baudière, bah, écoutez, elle fait le job de je casse rien d'autre grâce à ma carreau. Et puis on a cassé un roulement M-Line, un roulement d'entrée, les fins qui sont au plus près du cardan. La fripouille m'a gentiment dépanné, je te dois un roulement ma fripouille. Et c'était reparti. Encore une fois, c'est celui-là avec lequel j'ai pris le plus de plaisir. Il n'y a pas de secret. Sa motrice, ça tourne par rapport au MT Sport 1,5, ça tourne beaucoup mieux. Celui-là, ça se demande à se piloter, ça s'anticipe. Celui-là, bon, il n'y a rien à faire. Hein. Ça tourne et ça s'envoie par-dessus la tête. Voilà le petit briefing de la petite matinée de ce matin. Honnêtement, je suis ravi parce que, mine de rien, on n'a pas beaucoup cassé. Et franchement, je suis presque le seul à avoir rien cassé. Voilà, allez, à plus. We'll be right back.